Les Gardiens de la Galaxie 2, toujours réalisé par James Gunn, auteur du génialissime et indispensable Super, un des meilleurs films de ces 10 dernières années. Vous l'aurez deviné bien sûr, hein, Guardians of the Galaxy 2, c'est donc la suite des aventures de ces espèces d'Avengers rigolards de l'espace. Après une mission ayant mal tourné pour cause de sac à merdose d'un des membres du groupe, nos gardiens de la galaxie se voient sauvés par un homme étrange et mystérieux tout puissant, prétendant connaître les origines de notre héros Peter Quill. Plus que jamais un authentique space opéra dont le kitsch est fortement assumé, les gardiens de la galaxie 2 affichent pourtant une aventure un brin moins épique dans son enjeu que son prédécesseur. Mais il reste porté par un casting plus que parfait aux punchlines efficaces, quoique plus téléphoné que la dernière fois. Alors peut-être la bonne surprise est-elle passée, ce deuxième film se contente-t-il d'approfondir ses héros faute d'un script plus original? En tout cas, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce film dans un autre univers. Mais la direction artistique fait de ce film un vrai trip coloré presque hallucinogène, vraiment réjouissant pour l'époque. Et malgré des morceaux de bravoure, un brin en retrait, faut quand même l'avouer, chaque personnage ira de sa petite crise, son petit dilemme, sa petite larme. En bref, et finalement c'est presque logique dans un chapitre 2 pensé comme une trilogie, mais l'intrigue semble ici ne servir que de fonction pour que chacun crache sa pilule. Mais voilà quoi, quand même, difficile de sortir du film aussi saucé qu'à l'époque du premier. Parce que le meilleur personnage du groupe se retrouve ici relégué au rang de simple gimmick, et le grand ordre des choses n'est pas tant que ça chamboulé, hein. Après, le film fait le café, hein, mais ne reproduira pas le coup d'éclat du premier. Et c'est un peu dommage. Et puis, c'est moi ou c'est long, quoi? Surtout avec les 5 séquences post-génériques, quoi, ça fait un peu tryhard.